La grande roue fait 80 mètres de haut, Jeff. C'est incroyable. Bien d'accord avec toi, ma chérie. De là-haut, on doit avoir une vue imprenable. C'est la première chose que je veux faire. Mon bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassée de moi après toute une journée de mariage ? Je ne me lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Eh bien, nous y sommes. N'est-ce pas sublime ? Comme sur la brochure. Fantastique. Direction l'accueil. Serions-nous les seuls ? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Réessai ? Voilà qui n'augure rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. Le personnel doit être occupé ailleurs. L'accueil laisse un peu à désirer. Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Je vous présente mes excuses. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition Universelle. Tenez, signez ici. Vous découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Oh ! Une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Ma chère épouse, Madame Whitman, voudra-t-elle bien signer ? Oui, c'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Félicitations. Dans ce cas, vous méritez notre plus belle chambre. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... combien cela va-t-il coûter ? Oh. Soyez sans inquiétude. Il n'y aura aucun supplément. Cadeau de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur. Holmes. Henry Howard Holmes. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte ? Architecte. Inventeur. Maçon. Médecin, artiste. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Impressionnant. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Laissez un mot si un article vous intéresse, je l'ajouterai à votre note. Merci, monsieur Holmes. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi.
Bon, qu'ai-je pu oublier de prendre ? Oh, pardon, mademoiselle. Prenez garde. Mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien ? Très bien. Je vous remercie. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux ? Quelque chose pour moi. Tu aimerais bien le savoir. Je me demande ce qu'il y a là. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes ? Possible. Cette chambre est encore en travaux. On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Bouge pas. Pardon. Vous vous êtes perdu ? Il semblerait que ce n'est pas la bonne chambre. Cette pièce est en rénovation. C'est dangereux, ici. Bien sûr. Nous... La plaque où il est écrit « privé » a dû vous échapper. En effet. Nous sommes désolés. Vous ne voudriez tout de même pas vous rompre le cou en passant à travers le plancher ? Non. Vraiment, excusez-nous. C'est sans gravité. Je ne pense qu'à votre sécurité. Il y a de quoi s'estropier. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Merci infiniment, Monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du... travail... à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi! Ou d'une reine. Oh, toi. Prends ça. Dis donc, ce n'est pas très gentil. Ah, dans le mille! Tu l'auras voulu. Je me rends. Victoire. Tu as triché. J'ai un cadeau pour toi. Vas-tu me le lancer à la figure? Non. Cette fois, c'est sérieux. Ferme les yeux face au miroir. Oh, tu es un grand romantique. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Il y a un problème ? Non. Ouvre les yeux.
chef, il est sublime, merci. Parfait. À moi la victoire. Je vais te laisser prendre ton bain. Ça s'ouvre pas. Il faut peut-être forcer un peu. Sésame, ouvre-toi. Merci. Si tu allais te raser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien, nous aviserons. Un verbe dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. J'aurais pourtant juré que nous venions de là. Quoi ? Ah ! Oh mon Dieu ! Marie ! C'est toi, mon chéri ? Jeff ? Oh, est-ce encore un de tes petits jeux ? Très bien, petit roublard. Vous ne m'aurez pas comme ça, monsieur. Holmes ? Bonjour, ma jolie. Que faites-vous ici ? Jeff ! Je crains qu'il ne puisse pas vous entendre. Non ! Ne m'approchez pas ! Mais je n'en ai pas terminé. Ne résistez pas. Vous ne feriez que prolonger vos souffrances. Vous ne faites que retarder l'inéluctable. Qu'avez-vous fait ? Calmez-vous, monsieur.
Il semble que votre femme ait eu un accident. Ça ne va pas, monsieur. Gâchez votre toute dernière chance de lui dire que vous l'aimez. Marie. Une place pour chaque chose. Chaque chose à sa place. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade, c'est tellement Je magnifique. Sais. Mon brave, travaillez-vous ici. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition Universelle. Oh, c'est vous. Vous attendez depuis longtemps?
Il est toujours plaisant de revoir un visage familier. Apparemment, vous avez envie d'un nouveau récit. C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh. En avez-vous déjà vu? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Et je saurai récompenser vos efforts. Bien, sommes-nous prêts? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machino et éclairagiste. Je mets les problèmes en lumière. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et comment dire. J'en ai marre d'être toute seule. Je commence par mon expérience professionnelle ou ma vie privée? Parce que je veux dire, ça va être diffusé après. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire, on avait vraiment bien bossé, mais... ça n'a pas vraiment... marché comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières, pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle.
le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau ? Alors ? Verdict ? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grantem Dumet. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dumet? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Je vous remercie sincèrement, Monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien, mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi, à 16h. Soyez prêts. Cet après-midi ? On parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon offre, oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Je les amène. Promis. On fait ça. C'est Monsieur Dumet qui vous envoie? Ok. On charge le matos. C'est bon. C'est bon. Désolé. Vraiment? Enfin, c'est le ring light. Le tracé, c'est bon, d'accord. Ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau? C'est parti! Hourra! Ouais! Youpi! Je sens que ça va être génial. On peut savoir où on va exactement? T'aimes pas les surprises? Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type? Il est riche, reclus et obsédé par H.H. Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Dumet a des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. T'es sûr que ce type est fiable? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables ça, à mes ça affaires fait partie ou à du mon plan, intimité vous en aviez parlé exposées à mon insu. Il y aura des règles. Je devrai valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour l'émission... Vous allez voir, ça va être génial. C'est ce que t'avais dit à Topeka.
Blindé comme il est, il devrait avoir des domestiques, non? Il compte nous aider? Non, c'est bon, je m'en occupe. Merci bien, mais ça va aller. Abruti. Très bien. Et maintenant? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là, là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Je crois pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Allez. On arrive. Oh la vache, quel boucan! Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. Ok. Tu sais quoi? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. Te poser? Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre 2 semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, Charlie. Oh, ouais, bien sûr, je comprends. Prends 1 ou 2 semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le montage. Tu devrais faire pareil. Prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter? Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler? J'ai épousé mon job. Épousé mon job. Et il marche bien, ce mariage? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Épousé mon job. Wow, c'est quoi ce truc? Un mannequin, c'est tout. Juste, posé là. Peut-être que ça vient d'un musée ou un truc comme ça? Ouais, t'as sûrement raison. On y va? Ouais. La lumière sur la brume, elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. L'œil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et les trucs commerciaux. T'en es bien sûr? Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré.
Ça n'a pas l'air tout neuf. Qu'est-ce que c'est ? Une vieille pièce. Sur ce coup-là, je vais me refaire. Tu sais, désolé si de temps en temps, je suis un peu dur, mais... sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant ? Celui de Lonit Entertainment. Mais c'est toi qui fais tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Oh, ça va, j'essayais de te faire un compliment. Merci, Charlie. C'est gentil. C'est bon, on fait rien de mal. Tu sais que ta place est en prison. Wow, c'est quoi ce truc ? Ravi de t'avoir rencontré. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah ! Il a bougé ! Quoi ? Ce truc ! Il a bougé. Charlie, ça devient carrément flippant, là. Ça va, c'est de la taxidermie. Détends-toi. It's gonna be okay, it's all gonna be okay. Et vise-moi ça. C'est parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac, jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zoomes sur le phare. Hé, c'est le bateau. Allez, viens, on redescend. C'est lui ? J'en sais rien. Je l'ai eu quoi au téléphone. Mais comment il a su de quoi parler notre docu, au fait ? Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. Essaie d'être sympa, ok ? Bonjour, Monsieur Lonit ? C'est moi. Je suis Grand Thème du Met. Montez à bord, le bateau va partir. Voici Mark. Mark. Erin, Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, Monsieur Dumet. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, d'accord.
nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de rester groupés. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île ? Non, aucun danger. Vraiment ? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours si quelqu'un vient à se blesser, alors prudence. En tout cas, la propriété est bien balisée. Waouh ! Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs, je vous les ferai monter. Si j'avais su, j'aurais pris une tenue de randonnée, monsieur Dumet. L'hôtel n'est pas loin. Ce ne sera pas long. C'est vrai que monsieur Dumet ne plaisante pas avec la sécurité. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie. Je dis ça. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Il protège sa vie privée. On le sait depuis le début. Depuis le début ? Ça fait 2 heures. Allez, avance. Marc. Prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici, ok ? Pas de photo. Aucune image de moi, merci. C'est bien clair. Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur Dumet. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie ? Oui. Lumière, ok. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin ? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison... et... vas-y, tu marches. Ça suffit, allons-y. Et... coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur Dumet. Par là. Tu feras d'autres plans, hein ? T'inquiète. Monsieur Dumet est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'il le sache. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux ? Ah ! Aïe ! Oh merde, putain ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Trébucher sur ton ego ? Nous nous occuperons d'elle une fois à l'hôtel. Oh mais merde, je peux pas marcher. Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi ? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens ? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages, vite fait. Vous avez ça à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque ? Viens, je t'expliquerai plus tard. Fini par prendre des cours de théâtre ? Ouais, ouais. Il veut quoi, Charlie ? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous ? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez ! Je te pose une question. Tu peux me répondre sincèrement ? Je veux dire, sans que tu fasses la maline comme toujours ou que tu me balances une de tes vannes. C'est donnant-donnant. Bon. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission ? Qui sait ? Si on chope le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque. Watch your head. Tu crois que c'est possible ? Non. Au mieux, on aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. Évite de te tuer en tombant. J'ai pas envie de consoler Marc. Merci de t'inquiéter. Ça me touche.
Je vais bien. T'es pas défiguré, j'espère. C'est toi le visage de la boîte. Oh, ferme. Vous vivez ici, sur cette île? Chut, baisse-toi. Avec votre famille? Ma femme est... décédée. Ah, navrée. Désolée, je voulais pas vous blesser. Venez, nous y sommes presque. Ils ne nous ont pas vus. Allons-y. C'est n'importe quoi. Y a rien par ici. Oh non, bah. C'est pas toi qui cherchais un nouvel appart? Pas sûr d'avoir les moyens de vivre ici. Par contre, c'est vachement lumineux. Si j'avais voulu faire de la randonnée, je me serais pas installée en ville. J'ai pas signé pour ce genre de conneries. On dirait une colonie de vacances pourrie. Ok. Si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. On va peut-être pouvoir le faire démarrer. Jamie, t'aurais pas une idée?
Qu'est-ce qu'il y a, là? T'entends? Je me demande ce que c'est. No harm trying. De l'hydroxyde de potassium. Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumet. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris? Kate. Qu'est-ce que t'en dis? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Tu viens? Ah. T'es sujet au vertige? Peut-être. Oui. Oh non! On va tous mourir! Laisse-moi! Oh là là, détends-toi, Marc. Oh, c'est vachement haut. Ça va? La vache. Tu veux que je te porte? Ne moque pas de moi. Là, donne-moi ta main. Oh, surtout, ne pense à rien. Allez, un peu de cran. Là, c'était si dur. Oui. J'espère qu'il y a un autre moyen de redescendre. Allez, princesse. Où sont-ils passés? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée.